c'est Krim, on se retrouve une nouvelle fois en live pour la suite du Single Sim Challenge. Donc, si vous n'étiez pas là la dernière fois ou si voilà, vous ne connaissez pas encore, je ne peux m'occuper que d'un seul Sims qui est là, qui s'appelle Lola, et je ne peux ne contrôler qu'elle. Donc, j'ai fait quelques petites modifications depuis le dernier épisode, c'est-à-dire que j'ai fait grandir son frère, qui est devenu un fort beau jeune homme, plutôt bien réussi. Donc voilà, c'est dommage, je vais rien pouvoir en faire, mais et pas mal. Donc oui, je l'ai fait grandir parce que c'était censé être son grand frère et que comme je fais grandir Lola chaque fois qu'elle a terminé les tâches de son âge, et ben elle commençait à devenir plus vieille que lui. Donc voilà. Attendez, je règle juste voilà le micro qui m'empêche de voir l'écran. Donc voilà, on a fait un rapide tour. Je vous rappelle les tâches que je dois accomplir dans l'adolescence de Lola. Je dois la faire devenir rivale avec un de ses parents ou l'un de ses frères et sœurs. Je dois changer drastiquement le look de mon Sims. Je dois sécher l'école 4 fois avec votre meilleur ami. Et je dois bécoter quelqu'un puis le quitter. Et je dois me faire un tatouage. Donc je me suis un petit peu renseignée aussi depuis la dernière fois pour cette histoire de sécher les cours. Et en fait, c'est comme ça se passait au niveau de l'école quand elle était en primaire. Il faut que je la... Comment dirais-je ? Il faut que je l'envoie à l'école et que j'attende qu'Alexandre Gauthier, qui est donc son meilleur ami dans la partie, qu'Alexandre Gauthier en fait l'appelle pour lui dire « Est-ce que ça te dirait qu'on sèche l'école ?» Donc, j'espère qu'il va m'appeler pour me dire de sécher l'école. En tout cas, quand ils étaient enfants, ils l'appelaient tous les jours. Donc voilà. Coucou à vous qui êtes sur le chat. Et puis on va commencer. Donc, je sais plus où j'en étais. Ah oui, il est 6h du matin. Bon bah tu vas aller t'amuser un petit peu, puis je vais l'envoyer à l'école en espérant qu'Alexandre Gauthier ait la bonne idée de m'appeler pour me demander de sécher l'école. Allez, c'est parti. C'est parti. Ah, il est cassé. Bah, c'est pas parti, alors. Bah, tu vas aller regarder la télé, parce que j'ai pas le temps de te le faire réparer. Tu répareras ça ce soir. Et puis, pourquoi tu dors? Non, mais tu dors pas, c'est fini. Là, il est 6h30 du matin, J'ai dit, tu dors pas. Oh, putain, c'est pas facile, hein, je vous le dis. Non, mais tu dors pas, tu vas t'amuser. C'est pénible. Bon, j'espère qu'Alexandre va nous appeler. Parce que sinon, on va être mal. Et une fois qu'on aura séché l'école 4 fois, je pense que c'est avec lui qu'elle va se bécoter pour le quitter après. Parce que bon, ok, il est pas très beau, mais on s'en fiche. J'avais dit que ce serait son erreur de jeunesse à elle. Tout le monde a droit à une erreur de jeunesse. Hein. Même nos Sims. Attendez, alors je vois que ça scintille un petit peu au niveau de la caméra. Ouais, j'essaie de régler ça vite fait. Voilà, ça devrait être un petit peu mieux. Voilà. Bah ça y est, là c'est bon, t'es dans le verre, va manger un petit bout. Ah, faut que je m'occupe de cet arbre aussi qui rentre dans la maison, c'est un peu bizarre. Et puis, allez, mange un bout, il doit bien y avoir quelques restes. Ouais, c'est ça. Je sais pas ce que tu manges, un gâteau au chocolat, c'est normal, c'est équilibré. Faut que je fasse un peu de ménage aussi. Allez, mais la peau, faut qu'elle fasse tout. Faut qu'elle aille à l'école, qu'elle répare tout ce qui est cassé, qu'elle fasse à manger pour tout le monde. C'est pas facile tous les jours non plus. C'est pas un impôt, mais croyez-moi, elle galère quand même. Hein. Et le son est un petit peu fort. Attendez une seconde. Volume principal. Voilà, ça devrait aller mieux. Hop. Allez. Bon, on va accélérer un petit peu. Et ton frère, non, il veut pas aller à l'école. Non. Visiblement, l'école, ça ne l'intéresse pas. On va voir.
Oula, plus ma tête. Non, bah c'est ou on voit plus mon menton ou on voit plus mon front, vous choisissez. Lola doit faire un exposé devant toute la classe. Elle a de fantastiques idées pour pimenter son exposé, même si ce n'est pas exactement ce que le professeur a demandé. Doit-elle tenter le coup et mettre en valeur son exposé ou se contenter de faire de ce qu'on lui a demandé? Bah moi je dis qu'il faut tout donner. Et alors ça donne quoi? Ah, ouf, je l'ai effacé bien sûr. Sa présentation époustoufle les autres élèves, elle obtient la meilleure note de la classe et le professeur soumet sa candidature au titre d'élève du millénaire. Rien que ça. Bon, et sinon le copain là, il appelle, je crois qu'il appelait vers 10h30, 11h quand ils étaient petits pour savoir si elle voulait bien sécher. Donc on va voir s'il appelle, on va pas passer trop vite quand même. Et ton frère, non, il va pas à l'école. Non, ça l'intéresse pas, ma foi. Bon alors, t'appelles Alexandre ou t'appelles pas? Je te préviens, si t'appelles pas, je me trouve un autre pote, hein, on va pas... Je crois que c'était vers 11h, 11h et... Pff, je sais plus. Je sais plus, je sais qu'on était bien avancé dans la journée, même que je trouvais ça un peu idiot d'appeler à 11h pour demander de sécher l'école, mais... Ma foi... Parce que de toute façon, c'est pas là. Allez. Non, bah il est 11h, il appelle pas. Putain, vous allez voir qu'il a... Alors, toute la primaire, il appelait tous les jours pour sécher. Et là, on passe au lycée et il appelle plus. Il est bien chiant, celui-là aussi. Bah non, il appelle pas, il est 11h30. Oh, putain, il me désespère. Je vais le rappeler, on va redevenir pote. Je sais pas où on en est. Ah, mais il est enfant! Mais je l'avais fait passer ado la dernière fois! Bon, on va la rappeler, il va revenir passer enfant, puis c'est tout, hein. Ah, c'est pour ça qu'il m'appelle pas! Il est pas à l'école avec moi! Bon. Alors, quand elle rentre, elle va aller lui faire un gâteau, elle va l'inviter, et on va lui faire... Bon, ça me stresse, cette caméra-là, qui est pas bien réglée. Regarde, allez. Et on va lui faire souffler ses bougies parce que c'est pas possible d'avoir... Comment vous voulez qu'on se bécote s'il a 12 ans et demi? Ça va pas être possible, hein. Bon, bah allez, dépêche-toi, rentre de l'école. T'as un gâteau à préparer, un ordinateur à réparer. Tu dois manger, t'amuser, dormir. Quel programme. Laver ton chien aussi, ça lui ferait pas de mal. Ah bon, je dis ça comme ça. C'est pour ça que je l'ai pris noir. On voit pas qu'il est sale. Parce que s'il avait été beige ou blanc, c'était mort. C'est quoi ça? Ça, c'est... Hop. Je peux pas le jeter direct. Bon, bah tant pis. Alors, quand tu rentres, tu vas faire cuisiner... Et cuisiner un gâteau au chocolat. Et inviter... Bah, faut que j'attende que tu sois là pour l'inviter. Oula, il faut que j'appuie. Ah bah t'es mal à l'aise, tu seras mal à l'aise plus tard, hein, c'est bon, je sais pas que ça a à faire. Allez. Oh c'est bien, il fait le ménage, il est mignon, il fait le ménage. Il est parfait. Bon, ça y est, elle est rentrée, donc après tu peux appeler Alexandre et l'inviter. Allez, quand tu veux, hein. Hop. Allez. Il a dit qu'il venait ou pas? Je sais pas. Alexandre Gothic va arriver. Il est où? Allez, Alex, fais comme chez toi. Parce que pourtant j'étais. Mais c'est... Je comprends pas. On l'avait pourtant bien. Est-ce que je suis sortie en oubliant de sauvegarder? Ça serait possible. Alors, vu que j'ai dit cet après-midi à Missing que quitter sans sauvegarder, c'était tricher, je pense que si c'est ce que j'ai fait, je vais... J'espère qu'il ne verra pas la vidéo, parce que sinon, je vais me faire chambrer. C'est pas grave. J'assume. J'assume mes conneries. Non, mais le mange pas, le gâteau, hein. Non. Viens ici, ajouter des bougies d'anniversaire.
Non, le chien non plus, tu manges pas le gâteau. Et ensuite, plus de choix, faire vieillir un cime. Alexandre, voilà. Allez, il est où? Il a disparu, elle est là. Allez, viens mon petit, viens fêter ton anniversaire. Ah oui, c'est figé. Vais-je planter? Non, du coup je vais sauvegarder. Ah oui, je peux pas parce qu'il y a un Sims qui vieillit forcément, je sauvegarderai après. Ah, bah c'est ça, fais-moi des câlins parce qu'après on va se fâcher, toi et moi. Allez, vas-y mon grand. Ouais, youhou, magnifique. Une bonne tête de vainqueur. Ouais, bon, bah, de toute façon, c'est sûr que... C'est pas un canon, mais bon, ça fera l'affaire. Pour ce dont on a besoin, ça devrait aller. Sauvegarder. Voilà, sauvegarder. Voilà, comme ça, on est tranquille. On est sûr qu'on aura notre Alexandre à dos. Bon, bah maintenant tu peux rentrer chez toi parce que moi j'ai sommeil donc. Allez, ciao. Demander de partir et dormir. Allez hop. Allez, on s'appelle demain. Et on sèche l'école. Magnifique. Aïe, on va la laisser dormir demain matin. Après, elle ira aux toilettes. Et elle ira réparer cet ordinateur. Parce qu'il est hors de question que je dépense encore des sous en réparation. Parce que dans l'étape suivante, je crois que c'est jeune adulte ou adulte, il lui faudra une maison qui vaut pas mal de simflouz. Donc je peux pas m'amuser non plus à dépenser tout l'argent. Que me rapportent difficilement les parents. Oh, puis la mère, elle dort dans le lit du frère, c'est normal. T'as un lit? T'as un grand lit double? Mais non. Eh ben non, c'est tellement plus fun. Oh là là, ça devient n'importe quoi là, mes bardes. C'est fou. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Ah, avec une compétence logique, on s'en fout. Il a ramené des sous, merveilleux. Des sous qu'on redistribue immédiatement dès qu'on reçoit les factures. Pourquoi tu te lèves alors que la nuit n'est pas finie? Bon, bah tu peux... Ah non, non, va, répare d'abord les toilettes. Oui, la vie est dure, hein, je sais. Si tu veux aller faire pipi, il faut réparer les toilettes, ma grande. Allez. Allez, vas-y, avant de te pisser dessus, on y est presque. Allez. Moi, je pense qu'elle va se faire dessus. Hein. Allez, utiliser. Voilà, je le savais. Bon, bah, c'est pas grave, à la douche. Après, tout y est pour rien, t'avais pas prévu qu'il t'avait laissé des toilettes toutes pourries. Allez, va te doucher. Prends des restes. Et va dormir. Je sais pas si tu répares l'ordinateur aujourd'hui et que t'as déjà réparé les toilettes. On va peut-être pas pousser mémé dans les orties. Et on va te laisser tranquille. Voilà. Ouais, mais pleure pas. Ça arrive à tout le monde de se pisser dessus. Ça t'en remettra. Hein. Allez, retourne au lit. On a déjà trois barres vertes. On s'en sort bien. Début de grossesse, bah, ça me fait bien plaisir pour vous, messieurs, dames. Allez. Oh, 4 barres vertes, magnifique. Décidément. Quelle belle journée. Allez, au lit. Bon, va falloir vraiment faire le ménage, les gars, hein, parce que ça ressemble à rien chez vous. Hein. Est-ce qu'il a... Pourquoi elle dort pas? Parce qu'elle voulait péter. Bah bien sûr. C'est bien connu. Bon, bah je sais pas, il y a eu un bug. Va falloir que je la reset, je pense.
Elle voulait pas dormir avec la première fois. Bon. Alors. Tu veux pas aller te coucher, y'a que toi qui es debout, là, sérieusement. T'as un lit, un super mec dedans, profite, quoi. Je sais pas. Ben non, pas d'hyper vitesse. Elle veut pas. Et du coup, la nuit passe à une vitesse d'escargot et on peut rien faire. Va te coucher au lieu de débarrasser. Bon bah, c'est mort, je crois. Ah, il faut nourrir le chien. Bon bah, ça y est, le père est debout, c'est mort. C'est mort. La vitesse ultra rapide, on l'aura un jour peut-être. C'est pas gagné. Bon, t'en es où toi? Ah si, t'as fini de dormir. Je vais la débugger parce que j'aime pas trop cette action là qui reste. Donc, plus de choix. Non, attends, c'est pas. Excusez-moi, je m'ai trompée. Qu'est-ce que c'est? On s'en fout. Voilà, on s'en fiche. Ça frise beaucoup là. J'ai qu'une peur, c'est de planter. Allez, va réparer cet ordinateur. Ça va t'occuper. Ah, bah, quelqu'un l'a réparé pour toi. C'est magnifique. J'ai même pas vu. Comme quoi, ils sont pas si mauvais que ça en fait. Hein, parce que. Ils réparent les choses sans qu'on s'en rende compte. Par contre, ils font que bouffer et jamais ils préparent, quoi. T'as donné à manger? Oui, t'as donné à manger. Allez, vas-y, détends-toi. Il va rester que le social à remonter. Mais si tu sèches l'école, ça devrait aller. Hop. Allez, il y a école. Allez, hop, on se casse. Je sauvegarde un petit coup. Voilà. Allez, hop, à l'école. Dépêche-toi. Donc là, logiquement, Alexandre devrait nous appeler entre 10h30 et 11h et quelques pour nous proposer d'aller sécher l'école. On va voir si ça a marché. Je sens que ça va pas marcher. On s'en fiche, c'est Clément. On va y aller doucement. Des fois qu'on loupe l'appel, ce serait quand même con. Bon. Il va être 10h. Appelle-moi, s'il te plaît. Aider un ami. Je sais pas. Et ne pas aider, c'est pas beau de tricher. Et jure de ne plus jamais l'aider. Ah bah voilà, maintenant elle est triste. Oh là là, tu l'aurais aidé, tu te serais fait gauler, t'aurais été triste aussi, de toute façon. Donc bon, allez, 10h30. Allez là, Germain, là, tu l'appelles quand tu veux. Hein. Est-ce qu'on est toujours amis? Mais on est super potes même. Allez, appelle-moi. Il va pas m'appeler. Il m'appelle pas. Il m'a pas appelé. Bon. Eh ben, on est mal barré, je vous le dis, on est mal barré. Parce que s'il m'appelle jamais pour sécher l'école, je sais pas comment on va faire. Donc peut-être parce qu'on n'est pas meilleurs amis, on est juste bons amis. Donc je vais l'inviter à la maison, on va essayer de monter un peu plus la barre. Voir si ça change quelque chose pour l'école de demain. Parce que sinon je suis un petit peu embêtée, je sais pas comment faire. Et ce serait dommage quand même. Bon, bah du coup il appellera plus, là il est midi. On peut accélérer. Allez, hop. C'est pénible ça. De pas savoir ce qui va pas. Bon, je pense que sincèrement, c'est parce qu'on n'est pas assez amis. Hein, mais on peut pas. On va... Oh mon dieu, on est en vitesse rapide. Ouh. Ça fait tellement plaisir. Voilà, alors, appelle le copain, là. Voilà.
custom. Oh, on s'en fout. Attends l'autorisation. C'est pas toi. T'es où? J'adore cette démarche. C'est excellent. Il est au bout de sa vie, quoi. Bon, allez. C'est pas tout ça, mais c'est Alexandre qu'on attend. Ah, le voilà. Attends, attends, te sauve pas, te sauve pas. C'est bon, je t'ai pas invité à... présentation amicale. Mon ah non, 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 pardon. Mince, je suis pas sur le bon, pardon. Non, on va devenir amis. On va pas se disputer. Conversation profonde. Allez, vas-y. Voilà. Converser profondément. Tu peux lui dire que son pantalon, il est vilain. Élimine sa journée. Prévoir de faire venir un lama sur son lieu de travail. Non, mais n'importe quoi. Exprimer son admiration. Amical. Complimenter la tenue, même si elle est un peu moche. Amical, on peut pas devenir meilleur ami du monde entier, tout ça. Eh ben non, on peut pas. Ben, on est peut-être déjà meilleur ami. Non, non, reste là, reste là, reste là. Non, non, mais. C'est parce que je mets du temps à me décider. Oh, mais il s'est barré. Et l'autre, il est en train de défoncer le dragon, quoi. C'est normal. Vas-y. Complimenter la tenue. De toute façon, on peut pas être plus pote que ça, là, à un moment donné. Meilleur ami. Bah oui, on est déjà meilleur ami. Il peut pas être mieux, là. Je comprends pas. On va devenir super super meilleur ami, on va voir. Je sais pas. On va monter la barre au maximum, on va voir ce que ça donne. Conversation profonde, vas-y mange du gâteau, ça va peut-être te détendre. Non non mais arrête de te barrer bordel. Oh putain, il commence à me saouler celui-là aussi. Je suis en train de te parler. Tu peux rester 2 minutes. Voilà, c'est lui, il est au bout de sa vie. Amical. Complimenter la tenue. Plus de choix, amical. Voilà, ça va prendre du temps. Partager un secret. Se renseigner sur la carrière, je sais pas si c'est un métier. On l'a assez. Bon ben on est au taquet là, non? On y est presque. Il était lycéen. Bah je sais qu'il est lycéen. Ah oui, ça c'est pour faire des blagues. Mais je veux pas faire des blagues, je veux sécher l'école. C'est pas compliqué de sécher l'école. Ouais, ça, il a tout cassé, lui. Ah bah, il va mieux, du coup. Il a cassé le lavabo, il est content. À la plaisanter. Voilà, à plaisanter, c'est mon meilleur ami pour la vie. De toute façon, on est au taquet, je peux pas aller plus haut dans la barre, donc on va le faire rentrer chez lui, et puis on va bien voir ce que ça donne. Frimer avec un selfie. Voilà. Révéler un secret. Bon, bah, de toute façon, je suis au max là. Hein, donc, hop, tu vas rentrer dans ta maison, dans ton manoir. Parce que de toute façon, tu vis dans un manoir. Bah, de toute façon, je peux pas faire mieux. Bon, bah, je peux pas faire mieux. Allez, hasta la vista. Voilà, au revoir, à bientôt. Ah, ça y est, ça s'est figé de nouveau. On va sauvegarder.
Alors elle, je sais pas ce qu'elle fait au travail, mais chaque fois qu'elle revient du travail, la mère, elle a pris 10 kilos. Je sais pas ce qui se passe là-bas. Je sais pas ce qu'il leur donne à bouffer à la cantine, mais clairement, il y a un problème. Hein. Parce qu'à la base, enfin, elle était pas tout à fait comme ça, la mère, mais bon, pas très grave. Hein. Mais quand même. Bon, je suis où, moi? Pourquoi je... Voilà. Bon, donc on a monté la barre au maximum avec Alexandre. On peut pas faire mieux. J'espère qu'il va m'appeler demain pour sécher l'école. Parce que sinon... Sinon, je sais pas trop comment je vais pouvoir valider la tâche de sécher l'école. En tout cas, tout ce que j'ai cherché sur Internet, c'était ça. C'est qu'il est censé m'appeler pour me proposer de sécher... Parce que c'est pas juste sécher l'école. Parce que ce serait trop facile. Il suffirait juste que j'y aille pas. Mais en fait, c'est sécher l'école avec son meilleur ami. Donc, je suis obligée de sécher l'école avec lui. Et bah, j'y arrive pas. Donc, il faut vraiment que j'attende qu'il m'appelle. On va bien voir... Bon, t'as mangé, tu vas jouer, faut aussi que je te change de look, que tu te disputes avec ton frère. Bon, pour l'instant, j'essaie de me concentrer sur cette histoire de d'école buissonnière, là, parce que me disputer avec mon frère, ça va pas être trop compliqué, vu comment il rentre vénère de l'école et qu'il défonce les plus... On peut pas couper la musique, là, parce que c'est pénible. Éteindre. Voilà, magnifique. Oh, c'est vrai qu'il y a l'évier qui est cassé. Bah, tu vas aller le réparer avant d'aller jouer. Et après, tu iras à dormir. Hop. Bon. Il nous reste que demain là pour m'appeler. Sinon, après, c'est lundi. Je croise les doigts pour qu'il appelle. Parce que sinon, je sais pas trop comment ça va se passer. Bon. Sinon, on se fera autre chose en attendant, mais... Une pièce, les mains, hein, les manières, hein, il est très beau, bien élevé. D'accord, il est bien élevé, le mec. Il défonce tout le soir en rentrant de l'école, mais il est bien élevé. C'est bien. Marqué, il tape sur une peluche et pas sur ses copains de classe. C'est pas mal, hein. C'est... Effectivement, on sent qu'il y a une certaine retenue. Bon, allez au lit. Ouais, c'est bon, t'as assez joué, là. On va croiser les doigts. Pour que demain, ce soit le bon jour. Celui où on sèche l'école. Bon, alors, bien sûr, il faut toujours qu'il y en ait un qui dort bas. Hein, en l'occurrence, le père. Ah, attention. Wouhou ! On y est. On a passé une nuit entière en vitesse rapide, dis donc. Ou pas. Ah si. Annonce d'un mariage. Summer avec Caleb. Magnifique. Félicitations. Ah bah voilà. Ça n'a pas duré. Jusqu'à 2h du matin. Bon, on s'en est bien tiré. Hein. D'habitude, il n'y en a aucun qui dort. Donc, on est pas mal du tout. On est pas mal. Bon alors. Quand tu te lèves, tu vas aller aux toilettes. Tu vas aller prendre une douche et tu vas manger des restes si... Sans ça, enfin, bah t'as une gamelle pleine, hein, alors va peut-être falloir pas abuser. Prendre des restes. Voilà. Si tu vas à un moment donné, il faut arrêter de bouffer toutes les deux minutes. Hein? Un distributeur de bouffe. Bah compte pas sur lui, il est au bout de sa vie et il sait pas faire grand-chose. Non, t'as remis des... Mais elle a mis des croquettes, c'est bon. Bon, va falloir te lever, ma grande, là, parce que... Ils sont ensemble pour sécher les cours. Alors... Voilà, aller aux toilettes, prendre une douche et faire à manger. Non, manger. Pas faire à manger. Ah bah, tu vois, la bouffe arrive. Il suffit de l'attendre. Alors, il y a cours dans une heure. Ok. Pourquoi elle est pas contente? Mauvaise plomberie. Ouais, bah t'as cru qu'on avait les moyens de changer la douche aussi. Julien a pris... Ouais, ok.
Clément est romantique, tu m'en diras donc. Pour ce que ça va lui servir. Alors ensuite, c'est bon, t'es full. Ah, faut aller à l'école, là. Va à l'école, va à l'école. Allez, va. Alors, appellera, appellera pas. Bon, tu feras la vaisselle après. Bon. Allez, on y croit. Il va appeler, il va appeler, il va appeler. Allez. Non, mais je vous jure, hein, quand ils étaient enfants, tous les jours, il appelait pour sécher l'école. Tous les jours. Et là, que j'ai besoin qu'il appelle, il fait son timide, quoi. Bon, allez, 9h30. Allez, on y croit. Non, c'est pas le bon qui sonne. Allez. Allez, allez, allez. Allez, il est 10h. Bon, on va dire que c'était plus vers 11h, je crois. La fille qui essaie de se rassurer comme elle peut. Non, mais il est trop tôt. Il est trop tôt. On va lui laisser le temps quand même de se décider. Elle est bien. Voilà, c'est bien d'être bien. Mais exposé devant toute la classe. Lola doit faire un exposé devant toute la classe. Elle a de fantastiques idées pour pimenter son exposé. Bon, elle a déjà fait ça. Elle a tout donné. Voilà, c'est l'élève du millénaire, encore une fois. Bon, il est 11h. Allez. Hey Alexandre, je crois en toi. Appelle-nous. Fais sonner ce téléphone, Alexandre. Bon, bah, je crois qu'on va laisser tomber l'idée de sécher les cours et qu'on va se concentrer sur les autres tâches et attendre que ça se présente tout seul parce que là, clairement, il n'appellera plus, quoi. Je suis désespérée. Je suis désespérée. Il appelait tout le temps. Avant. Là, on est au taquet. On ne peut pas être plus potes que ça. On est meilleur ami du monde entier. Et ben non. Il veut pas, il veut pas. Bon, on va se concentrer sur se fâcher. Alors attends, c'est quoi exactement? Devenir rival. Bon, ben on va devenir rival avec son frère. Et puis voilà. C'est pas mal, rival avec son frère. Bon. Bah, il était revenu de l'école, bah oui. Bon, il est où? Il est où ton frère? Voilà, c'est ça. Allez, on va se fâcher. Méchant, embêté. Voilà. Méchant. J'aurais voulu être enfant unique. Non, on va pas s'excuser. Accusé de toucher à ses affaires. Ouh, on va vite devenir ennemi. Non, s'excuse pas, non. Se disputer à propos de qui est meilleur, tiens. Hop, la résolution des conflits. Ça va pas être notre truc, hein. Méchant. Faire croire que nous vivons tous dans une simulation. Ça, c'est fun. On en est où? On est des connaissances. Ah bah, il y croit pas. Mais si, mon gars. Tu es bien dans une simulation. Tu es chez les Sims. Bon. Allez, allez. Non, on va pas le calmer. On va dénigrer. Après, dans l'étape suivante, il faudra qu'on se réconcilie. Oula! Eh ben, merci, Moyo. Je sais pas si ça se prononce comme ça, de suivre la chaîne. Merci beaucoup. Et bienvenue. On va continuer. Fulminer et s'emporter.
Allez. On en est où là? On est toujours connaissance, hein, on n'arrive pas à se fâcher plus là pourtant. Passer un savon. On est grave en colère, mais il se passe rien. Pourquoi ça descend plus? Toujours connaissance. Critiquer l'apparence du visage. Ouais, il est moche aussi. Se moquer de la tenue. Ah merde, et tu lui envoies un verre d'eau vide? C'est bien, ça va bien marcher ça. Vous êtes très en colère. Toujours connaissance, quoi. Répandre une méchante rumeur. Bon, avec tout ça, là, on est toujours amis, quoi. Non, non, mais te sauve pas, là. On va se fâcher avant que tu partes, je te le dis. Hein. Allez. Crier des mots interdits. Provoquer. Taquiner à partir du courage. Se disputer à propos de qui est le meilleur. Et toujours connaissance, quoi. Ouais. Allez. Non, mais te sauve pas, on s'est pas disputé encore. C'est bien de se disputer dos à dos, c'est marrant. C'est bien un truc de Sims, ça. Bon, vous en êtes où, là? On continue, allez, hop, hop, hop. Non, 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 reste là. Et toujours connaissance. Bon. En colère tous les deux, mais... J'arrive pas à les faire passer, rival. Allez. Accusé d'être la cause de la mauvaise humeur. Pousser, toujours connaissance. Plus de choix, méchant. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Ça on a fait, ça on fait. Se battre. On s'est pas encore battu, hein. Allez, action. Allez, puis là on devrait. Ah bah ça y est, c'est fini. Arrêtez de vous battre. On est devenus rivaux, c'est ce qu'on voulait. Du coup, on a au moins validé une tâche. On sait toujours pas comment on va sécher l'école, mais au moins, ils sont rivaux. C'est pas mal. Voilà, ils se détestent même. Ah ouais, non, on a été un peu loin peut-être. Ah putain, ça va être compliqué. Merde. Ça va être compliqué, ça. On n'aura pas dû se battre, en fait. Bon, bah tant pis. Tant pis. Elle fait pipi comme une championne, on verra ça plus tard. Prendre des restes. C'est dommage, on s'est loupé. Et on n'a toujours pas séché l'école. Mais bon, on s'est disputé, donc... On va peut-être faire le prochain, qui est changer drastiquement le look de votre sim. On va peut-être aller faire un tour dans le CAS. Et la relooker un peu façon ado rebelle. Mais très rebelle, quoi. Profiter pour faire un petit tatouage, des choses comme ça, quoi. Puisque faire un tatouage fait partie des tâches. Excusez-moi, je bois un petit peu. Ah ! Mais non, je veux pas te rendre visite, je veux sécher l'école avec toi. Sécher l'école, ça te parle? Il me fatigue, cet Alexandre. Il me fatigue, il sert à rien. Il sert à rien. J'ai besoin qu'il m'appelle et il m'appelle à un moment où il n'y a aucun intérêt. Aucun intérêt. Bon, bah écoute, ouais, va dormir, tu joueras demain. Attends, il va peut-être m'appeler lundi. Je suis désespérée, je n'y crois même plus. Bon, demain, on ira refaire un petit peu le look. Et puis du coup, il manquera sécher l'école et bécoter quelqu'un, puis le quitter. Mais du coup, je veux pas faire ça
tout de suite avec Alexandre, parce que si je le quitte, il va pas être content, il va plus vouloir sécher l'école avec moi. Alors du coup, je préférais qu'on sèche l'école avant qu'on aille se bécoter et que je le quitte, quoi. Ça me paraît plus logique dans ce sens-là, mais bon, vu que sécher l'école, on n'y arrive pas, donc... Je ne sais pas, on va bien voir comment ça se passe. On va bien voir. Bon, vous voulez pas dormir là? C'est les mecs de la famille là qui dorment pas. Oh, elle a encore bugué là. Et voilà. Il veut venir passer du temps à 23h38. Non, bah non, non. Fallait m'appeler à 11h du matin et me dire qu'on sèche l'école. Alors, il m'appelle pas de la journée quand j'en ai besoin et là il m'appelle 15 fois dans la soirée quoi. Je sais pas ce qu'on va en faire. Hein. Je ne sais pas ce qu'on va en faire. Je suis pas sûre qu'on ait choisi le bon. Je sais même pas s'il va m'appeler un jour pour me dire. Vas-y, on sèche l'école. Je ne sais pas. Ah, et puis l'autre il est en mode crado, il pue la mort. Bon bah écoute, on va laisser dormir. On va la laisser dormir jusqu'à ce qu'elle en ait marre, puisque de toutes les façons c'est samedi. Et qu'il n'y a absolument rien d'autre à faire, donc voilà, on va peut-être aller lui changer son apparence tout de suite, comme ça ce sera fait. Et il ne nous restera plus que cette histoire de sécher l'école. Tiens, on va aller faire ça tout de suite. Enfin tout de suite, quand elle se réveillera. Prévoir une tenue. On va se lâcher un peu. On va y faire les cheveux roses. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Ouais, Clément a acquis la compétence fitness. Il faut dire qu'il en ait spécialement besoin. Qu'est-ce qu'elle a cassé, elle, encore? Elle a cassé les toilettes. Il y a un tatouage, lui? Ah non, c'est parce qu'il est crado. Je crois qu'il avait un tatouage, mais non, c'est de la crasse, pardon. Excusez-moi. Bah, tu vas être bonne pour réparer les toilettes, hein, de toute façon. Hein. Parce que ado rebelle ou pas ado rebelle, il est hors de question que je change. Alors, comment on va la relooker? Il faut changer drastiquement son look. Donc déjà, ouais, c'est ça. Allez, on y va. On va commencer par les cheveux, hein. Bon, déjà. Ah, faut mettre une bonne coupe de rebelle, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a ça, mais c'est rebelle moyen, quoi. Hein. C'est pas drastique comme rébellion. Ça non plus. C'est quand même léger. On va mettre la crête. C'est typiquement la coupe dont je me sers jamais. Donc, ce sera l'occasion. Je crois qu'elle est vers la fin. Où es-tu? Ah. Ah, non, c'est pas aussi ça. C'est pas marron. Ah, la voilà. Puis on va changer la couleur parce que. Ah, et c'est pas mal ça. Ah, c'est pas mal. En bleu, j'aime bien. Quoique en turquoise, ça fait ressortir ses. Allez, turquoise. Maintenant, le look. Coucou, oui, je fais le challenge Single Sim Challenge. Donc, en fait, en résumé, je ne peux contrôler que Lola depuis qu'elle est bambin. Donc, j'ai commencé bambin et du coup, je ne peux contrôler qu'elle à part dans deux ou trois circonstances particulières. Parce que, par exemple, payer les factures, les choses comme ça, quand ils sont bambins, c'est compliqué. Et j'ai des tâches pour chaque âge de sa vie. Donc là, maintenant qu'elle est ado, c'est un peu plus facile parce qu'elle est quand même pas mal autonome. Mais quand elle était bambin, c'était un peu compliqué parce que vraiment, il fallait que je demande aux parents de la nourrir, de la enlever de la chaise haute, de la coucher. Donc c'était un petit peu compliqué, mais bon, on a fini par s'en sortir. Et donc là, elle est ado et une des tâches que je dois faire durant son adolescence, c'est de changer drastiquement son look. Donc, comme elle avait un look assez classique, on va partir sur un look un peu plus... un peu moins classique. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on est dans le CS et qu'on va changer un petit peu tout ça. Il faut aussi que je lui fasse un tatouage. Non, ça va pas être là le tatouage, ça va être là. Tatouage.
faire un bon gros tatouage, genre bien discret. On va pas faire un truc... Ouais, c'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un petit machin comme ça. Ah, c'est joli un peu. Et là, on peut faire un truc comme ça. Voilà, c'est pas mal. Magnifique. Allez, hop, on est reparti. Les vêtements. Donc voilà, c'est plutôt sympa comme challenge. Et des fois, on s'énerve un peu parce qu'on a du mal à faire ce qu'on veut faire. Mais au final, on y arrive. Je sais pas comment on va l'habiller. On va rester un peu dans le thème quand même. Qu'est-ce qu'on va lui mettre en haut ? Il n'y a rien de plus... Bon, si, on va trouver. J'ai en tête un haut, je sais plus où il est. On va le trouver. Ça, c'est trop classique. Bon, je se fige de temps en temps, je ne sais pas pourquoi. Non, ça, ça va pas. Bon, ça, ça peut être pas mal pour montrer ses tatouages. On va voir. Ah ouais, non, c'est celui-là que je pensais. Voilà, ça, ça peut être pas mal. Je regarde s'il y a pas autre chose de plus... Non, bah, je crois qu'on va rester là-dessus parce que j'arrive au bout et que j'ai pas grand-chose. Tout est somme, assez classique finalement. On va laisser ça comme ça. Ensuite, au niveau du pantalon, je sais pas. Je sais pas trop. Bon, ça peut être pas mal, ça. C'est clair que ça la change, hein, niveau look. Bon, c'est pas mal. Eh ben, écoutez, banco. Voilà la nouvelle. On peut pas avoir de... détail de la peau... Non, bah non, il n'y a pas de tatouage. Hop. Non. Bon, bah allez, c'est parti. Changement de look validé. C'est sûr que ça change un petit peu. Bah franchement, je t'invite à le tenter. Si tu veux retrouver les règles, je sais pas si tu connais le forum officiel des Sims. Mais, comment dire, j'ai posté les règles en français là-bas, parce qu'à la base, c'était un challenge qui est en anglais, et que j'ai traduit, et que du coup, j'ai... Pourquoi je suis sur le père, moi ? Voilà. Que du coup, j'ai posté là-bas, donc si tu connais un peu le forum des Sims officiel, tu peux retrouver le challenge en tapant Single Sims Challenge, tu tomberas sur le sujet avec les règles. Si tu connais pas, n'hésite pas à me le dire, je te mettrai le lien à la fin du live, il n'y a pas de souci. Voilà, donc nous avons donc validé trois tâches, hein, celle qui disait qu'il fallait devenir rival avec un de mes parents ou de mes frères et sœurs, donc c'est fait puisque mon frère et moi on peut plus s'encadrer. Changer drastiquement le look de votre Sims, c'est fait. Et se faire un tatouage, c'est fait. Il reste donc sécher l'école 4 fois avec votre meilleur ami et bécoter quelqu'un, puis le quitter. Comme tout ça va se faire avec la même personne, bah, il n'y a plus qu'à attendre qu'il se décide. Non, tu vas pas au lit. Ah oui, c'est vrai que t'as bugué. T'es ouf. Hop, débogage, voilà, magnifique. Et va me réparer cette baignoire. Ah bon, bah voilà, si tu connais, tu trouveras le challenge sans problème en tapant le nom du challenge dans la recherche. Voilà. Bon, on en est où ? 6h30 du matin, tu sais, c'est le week-end, t'aurais pu dormir. C'est une rebelle, mais elle fait quand même les tâches ménagères. C'est une petite rebelle. Parce que sinon, si je la fais pas réparer les trucs, on est mal. Oh, non mais c'est pas possible la mère. Je vous dis, chaque fois qu'elle va au boulot, elle revient, elle a pris 10 kilos. Mais qui... je comprends pas. Puis il y a quelques, ça fait ça, le père il bouge pas d'un gramme, le fils non plus. Je comprends pas. Pourquoi elle grossit comme ça? Moi, tu me dirais, elle bouffe des gâteaux à tire-larigot, mais enfin quand même. Bon ben...
Je ne sais pas. Ça, c'est un des mystères de cette partie. La mer grossit à vue d'œil. Je sais pas pourquoi. Allez, maintenant que tu l'as réparé, tu peux aller prendre une douche. Hop, ensuite, tu vas aller manger ou faire à manger, je ne sais pas où on en est. Hop, allez, enlève la nourriture gâtée et sers le petit déjeuner. Allez, œuf brouillé. Hop. Oui, donc là maintenant tu fais à manger. Vas-y, tu peux le faire. Voilà. Allez. Vous en sortez ou pas? C'est bien. Qu'est-ce qu'il y a, le chien? Bah, t'as à manger, hein, donc... Faudrait que t'arrêtes, hein. Magnifique. Niveau 2. Bah, vas-y, mange, hein. On va les mettre au frais pour que tout le monde bouffe dessus, bien sûr. Personne ne prépare jamais à manger, mais tout le monde mange ce qu'on prépare nous. Hein. Alors, elle, je sais vraiment pas. Hein. Chaque fois que je la vois, j'hallucine. Hein. On a commencé le challenge, elle était plus mince que sa fille. Et on finit le challenge, je sais pas. Elle a pris 4 tailles, pas compris. Manger, aller aux toilettes. Et s'amuser un petit peu sur l'ordinateur. Allez, vive les Sims. Tant qu'à faire, autant la laisser jouer aux Sims. Hein. Après tout, c'est une bonne occupation et ça détend bien. Hop. Bon, il n'y a que cette histoire de sécher l'école là qui m'embête parce que je me dis que s'il m'appelle jamais, je sais pas comment je vais faire. Hein. Bon, j'ai le temps, hein, on joue en durée de vie longue, donc du coup... Oh bah, et c'est la neige, il tombe par terre, tout va bien. Du coup, on a 50 jours avant que ça se... Mais quand même, pourquoi elle est pas bien, elle? Qu'est-ce qu'il y a? Mauvaise plomberie, oui, d'accord, bon, on n'a pas de sous, environnement déplaisant. Ouais, bah, c'est peut-être ça, là. Bah, tu vas venir nettoyer, ça ira mieux. Nettoyer et nettoyer, et puis t'iras donner un bain au chien aussi, voilà, ça fera pas de mal. Allez, d'abord tu joues. Après, si Alexandre m'appelle pas, je vais me faire d'autres potes, hein, on va pas y passer la nuit. Hein. Peut-être lui qui veut pas. Hein. C'est ça quand tu vis dans un manoir. T'es complètement coupé de la réalité, tu veux plus sécher l'école. Allez, moi c'est bon, là t'as assez joué, t'as du boulot, va faire le ménage. Faire le ménage, laver le chien. Je ne suis plus un bébé, oui, on s'en fout. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah oui, remarque, c'est pas bête de laver d'abord le chien. Ah oui, bien sûr. Tu lui demandes de le laver et puis tu te barres pour astiquer le lavabo, c'est normal. Et puis tu te fais virer par ton frère, bien sûr. Oh, mon Dieu. Non, il t'a viré, mais tu y retournes, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Allez, nettoie. Ensuite, lave le chien. On va y arriver. Qu'est-ce qu'elle a cassé? Quel vacarme. Assiste à une crise de nerfs. D'accord. Bon, bah, ma foi. Bon, tu le laves, ce chien, ou faut que je lave moi-même? Allez, vas-y, c'est bien. Après, tu pourras nettoyer. Ça y est, il est propre. Bah, dis donc. Non, pas cuisiner, non. Je me suis trompée. Bon. Et bah, après, tu vas retourner un petit peu jouer. Jouer. Allez. Bon. Oh, c'est bio. C'est beau, c'est bio. C'est tout propre. Voilà, hop.
joue aux Sims 1, c'était bien. C'était la bonne époque. Pour les moins jeunes d'entre nous qui ont connu. C'était graphiquement un peu... Enfin, maintenant, ça paraît limité, mais à l'époque, c'était juste extra. C'était juste extra. Où tu vas ? Je te pose d'aller regarder la télé. Qu'est-ce que tu pourrais faire ? Non, bah écoute, il n'y a pas de ménage à faire, rien, tout est propre. Magnifique. Non, bah alors, moi, j'hallucine quand je la vois à chaque fois, elle. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça s'est passé, hein. Tu peux peut-être te débarrasser de ça, non ? Non, faut que j'attende que ça meure. Ça, on va peut-être s'en débarrasser quand même. Oula, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Oui, c'est des pièces, ça. Hop, ensuite. Les devoirs d'enfant, on s'en fiche. Et le projet de science, ça fera des sous. Vu qu'il va falloir avoir une super maison dans l'étape d'après, j'aurais bien envie d'acheter un petit peu, de changer la baignoire ou des choses comme ça, pour qu'elle puisse un peu les améliorer, etc. Mais bon, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, on va les laisser comme ça, on verra tout à l'heure. Tu peux peut-être faire tes devoirs, non ? Allez, fais tes devoirs. Ça peut être sympa aussi de faire ses devoirs. Bon, putain, j'espère qu'il va appeler lundi pour sécher les côtes, l'autre là, parce que... Oh bah là aussi, il y a un projet scolaire. Allez hop, ça fait des sous. On va pas tout garder, hein. Oh, le chien est propre, c'est beau. Les devoirs vont bientôt être faits et elle va pouvoir manger parce qu'elle a la dalle de ce qu'elle a préparé à midi, prendre des restes. Alors, super, ensuite c'est bon, t'as fait tes devoirs, magnifique. Ah, t'as pas fini les devoirs par contre, hein. Alors t'es bien brave, mais tu vas t'y remettre. Hein. Parce que t'as pas besoin d'avoir A dans les tâches, mais enfin ça te fera pas de mal, hein, vu que tu vas sécher l'école toutes les pendant 4 jours, il est temps que... Ce serait bien que tu parles d'en haut, parce que sécher l'école ça va te faire diminuer. Je sais pas, si après si vraiment je vois qu'Alexandre appelle pas, ben on séchera l'école sans lui, mais ben, c'est pas ça la tâche quoi. Du coup je sais pas. Allez. Non, jouer. Allez, tiens, va te mettre. On va voir, ça peut peut-être te faire gagner des sous. Je ne sais pas. Et après, au dodo. Demain, c'est dimanche. Et lundi, on n'aura plus qu'à espérer réussir à sécher l'école. Allez. Hop. Maintenant que j'ai une tête de rebelle, il va peut-être pouvoir sécher l'école. On ne sait pas. On verra bien. Allez, si vous pouviez tous aller dormir. Madame, tu veux pas dormir ? Allez, va te coucher. Ou dors sur le canapé, mais fais quelque chose au lieu de rester coincé comme ça. Attention, ouais. Alors si vous demandez pourquoi j'attends avec impatience qu'ils se touchent tous, c'est pour pouvoir passer en vitesse un petit peu ultra rapide. Lola vient de devenir une connaissance de Sansa. Bah, c'est des choses qui arrivent. Et pouvoir pas passer 15 ans à les regarder dormir. Bon, ça dure jamais très longtemps parce qu'il y en a toujours un qui finit par se lever, mais... Oui, en fait, les parents peuvent travailler. C'est conseillé, en fait, au début du challenge. Avant de commencer, en fait, ils te conseillent de leur trouver un travail et de les faire monter à l'échelon 3 ou 4, je sais plus. Et pour qu'ils puissent ramener de l'argent pour payer les factures, parce que sinon tu peux pas payer les factures avant qu'ils soient ados. Donc c'est pour ça que les deux parents travaillent et ramènent un petit peu d'argent pour pouvoir payer les factures.
Oui, c'est autorisé. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, c'est lui qui tape sa crise de nerfs. Ok. Bon, tu vas retourner au lit parce qu'il est quand même que 5h du matin, donc on va pas s'emballer, hein. Il serait temps d'aller se coucher. Allez, au lit. Hop, au dodo. Un petit peu. Après, tire à manger. Et tire à jouer. Voilà. Bon. Les devoirs sont faits. Bah, il n'y a pas grand-chose à faire de la journée, là. À part les besoins de base. Voilà, bon, arrête de parler avec tes parents, il n'y a pas que ça à faire. Déjà, les barres de besoins sont dans le vert, c'est bien, on progresse. Tu auras fini de jouer, tiens, à prendre une douche. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a un goût désagréable. Cette nourriture n'était pas très bonne. Bah, c'est toi qui l'as préparée, je te signale, hein. Donc, à un moment donné, c'est toi qui sais ce que t'as mis dedans. Allez, hop, hop, hop. Ouais, le marché aux puces, magnifique. Bah oui, mais non. On n'ira pas. On n'ira pas. Parce qu'on a autre chose à faire. Non, en vrai, on n'a rien à faire, mais je sais pas, il manque kikiné aller au marché aux puces. De toute façon, on n'a pas de sous. Enfin, le peu qu'on a, on en a besoin. Hop, la douche, c'est fait. Bah écoute, rien à faire, ma foi. Je sais pas. Tu veux pas aller nager ici avec ta... Voilà, nage avec ta mère. Ça fera du bien. Allez, va nager avec ta mère. Parce que là, vraiment, elle est victime d'une malédiction, la pauvre. Je sais pas, je comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, on va essayer d'arranger un petit peu ça. Puis ce qui est bizarre, c'est que c'est la seule, quoi. Les autres, ils bougent pas, quoi. Je comprends pas. Mal à l'aise. Non, mais j'ai pas dit discuter dans l'eau, j'ai dit nager dans l'eau. Voilà, nage. Voilà. Hop. Allez, hop, on nage, on nage, on nage. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est sale? C'est le chien qui a fait des bêtises. Bon, bah, il y a une plante poubelle, mais je peux rien y faire. Bah non, il n'y a pas l'air d'avoir de saleté. Je sais pas pourquoi elle s'énerve. Faudrait qu'on achète aussi. Tiens, je vais la faire acheter des graines. Allez, on va acheter quelques graines. En plus, ça rapporte de l'argent, donc c'est peut-être pas un mauvais plan de planter quelques graines pour plus tard ouvrir. Allez, hop. Et c'était quoi l'autre? Et hop. Allez, hop, planter et puis planter. Qu'est-ce qu'on a là? Herbe à chat. Ah ouais, bon, on n'a pas de chat, mais c'est pas grave. On va quand même planter de l'herbe à chat. Ça doit se revendre. Donc si ça se revend, moi ça me va. Voilà. Et du coup, pour monter à l'échelon 3, pour les carrières. Oui, j'utilise un code de triche, en fait. C'est ce qu'ils conseillent dans les règles. Voilà, avec le code de criche. Avec le code de triche, en fait, avant de commencer, de les faire monter. L'échelon qu'il faut. Herbe à tendresse. Bon, je sais pas du tout ce que c'est, ça j'ai jamais fait. Tant que ça se vend, moi. Ça c'est aussi tendresse. Attends, je sais pas. Mais là, on va en planter qu'une de chaque, hein. Herbe à colère, pardon. Planter. Ça c'est quoi? Herbe à sieste. C'est marrant.
Et ça, c'est herbe à chat. Tout simplement. Bon, bah, hop. Planter. Ça, on en a déjà planté. On peut le vendre. Ça, on a déjà planté. On peut le vendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? L'eau de graines aromatiques. Fruits pour débutants. Légumes. Allez, les fruits. Qu'est-ce qu'on a dedans? Allez, ça va rapporter bien dans quelques... Dans quelques jours. Ah, un pommier. Bon, bah, tu vas le planter là, ton pommier. Hein. Planter. Et là, c'est quoi? Des raisins magnifiques. Planter. Ensuite, on va peut-être... ouais, les légumes, voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Après, il y a tout ce terrain là où je peux encore faire des plantations. D'ailleurs, je crois que c'est ce que je vais... Je crois que c'est ce qu'on va faire. On va déplacer les pots de fleurs. Pour qu'ils soient un peu tous au même endroit. Hop. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça fait du bruit comme ça alors que je fais rien? Je ne sais pas. Donc, on en était où? Ah oui, non, j'ai encore oublié un truc. Hop. Jardinière d'extérieur. Hop, encore une. Et puis, on devrait être bon. Alors. Hop, planter la... Non, pas manger. Planter la carotte. Et planter les champignons. Planter et planter et ouvrir les graines. Comme ça, quand ça aura pris un petit peu de qualité, ça permettra d'augmenter un peu les fonds pour la future maison qui, donc je viens de vérifier, devra être à 70 000 simflouz. Donc, on va construire une belle maison. Peut-être on demandera un coup de main même à... Faut que je vois si par exemple Ange Rouge veut bien faire une petite maison en 70 000. Je pense que ça va se négocier. Si elle a le temps. Hop, pose là. Pose. Pourquoi tu veux pas poser? Bon, bah, tu veux pas poser, bah. Voilà, hop. Bon, on va tout planter de toute façon. Allez hop. Non mais arrête de me parler là, je suis en plein jardinage. Laisse-moi tranquille. Hop. Planter et planter le dernier. Voilà, donc après on va arroser tout ça. Et ce sera pas mal pour aujourd'hui. Parce qu'il est 17h déjà. Donc, le temps. Voilà, on arrose tout ça. C'est magnifique. Mais arrête de me parler, toi. Voilà. Ça commence déjà à pousser, c'est beau. Tetsu Sasaki. Chanté. J'ai pas besoin de toi. J'ai juste besoin d'un coup de fil d'Alexandre demain aux alentours de 10h30 pour me dire hey, « Eh, ça te dirait de sécher les cours avec moi ?» Ensuite, utiliser... Oh, il y a à manger. Qui a fait à manger? Hop, on s'en fiche, on va les mettre au frais. Prendre des restes et du coup, aller dormir. Et puis demain ce sera lundi, il y aura l'école et peut-être on pourra sécher les cours. Si le jeu se montre clément avec moi, on va déjà sauvegarder quand même parce que une fois de temps en temps, ça fait pas de mal, on n'est pas à l'abri d'un plantage. Je rappelle qu'une fois en plein live sur la en expédition dans la jungle, j'ai juste planté en plein milieu du live, donc c'est quand même dommage. Sachant que j'avais pas sauvegardé depuis un moment, donc c'est un peu dommage. Hop, allez, tu manges au lit, tout le monde au lit. Oh, ce serait bien, tout le monde dort. Ah oui, il m'a piqué mon lit quand même. Écoute, t'es un peu grande, mais va dormir avec ton père. Hein.
Oui, bah comme, d'accord. Ah bon, maintenant tu l'as viré. Ok, très bien. Non, mais c'est bien de virer son frère. Hein. Moi, je trouve ça bien. Après tout, c'est ton lit. Ah, c'est ton père que t'as viré, bien sûr. Donc, résumons. Ta mère dort dans le lit de ton... dormait dans le lit de ton frère. Ton père dormait dans ton lit. Et ton frère dormait dans le lit de tes parents. T'es bien. C'est bien. C'est une répartition originale. Intéressante. On va bien voir. Allez, on croise les doigts pour qu'Alexandre m'appelle demain matin à l'école. Bon, tu veux pas aller te coucher, toi, là, Joe, là, qu'on puisse avancer un peu plus vite? Bah, fais pipi et va dormir. Mais c'est moi où il est bloqué dans, sur le lit, en fait. Ah ouais, c'est ça, il est bloqué sur le lit. Tant pour moi. Bon, alors... Voilà. Tu veux pas bouger là? Allez, bouge. Ah putain, il veut pas bouger. Ah bah tant pis, reste là. Je vais pas la réveiller en pleine nuit. Ouais, mais si après. Allez, c'est parti. Non, alors, je peux pas le bouger. Allez. Voilà, merci. Oh bah, magnifique. De mieux en mieux. Maintenant, il est debout sur la commode. J'aurais voulu le faire, celui-là, j'aurais pas pu. D'accord, ok. Non mais si tu veux pas descendre de la commode, tu le dis. Voilà. Voilà, super. Magnifique. Alors, si ça te dérange pas, on va remettre les meubles à leur place. Voilà. C'est parfait. Allez, toi, tu retournes dormir. Et toi, tu fais ce que tu veux. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Et du coup, elle veut plus dormir. Ça y est, j'ai déplacé son lit. Ça la perturbe. Faudrait que je la débug aussi demain matin. Oh là 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 là, ils sont pénibles. Non, mais debout sur la commode, c'était pas mal. J'avais eu un truc comme ça, je crois, pour le Wonder Child Challenge. C'est toujours un plaisir. Oh mon dieu, il dort. Ah bah non, il dort plus. Mais va dormir, bordel. Va dormir. Ah. Ah bah voilà, il suffisait de lui demander. Ils dorment tous. Wouhou! C'est une grosse nuit. Ah bah ça a duré 1 heure et demie. C'est bien. On progresse. Heureusement qu'ils sont pas 8, hein. Parce qu'on les aurait jamais en même temps. Bon, moi j'ai hâte qu'on soit à 10 h 30. Voir si Alexandre, qui m'a appelé tout le week-end pour des conneries, va enfin m'appeler pour me demander de sécher les cours. Ah, peut-être pouvoir jeter ça. Voilà, jeter la plante morte. Jeter. Voilà, les doucher et prendre des restes. Allez, on y va. Ah, et tout le reste après, t'as pu faire. Bon, ah, voilà. Alors, ça, c'est les buggés, bien sûr. Ah, bah, c'est ton frère qui s'en occupe, c'est beau. Et. Prendre les restes. Manger. Hop. Voilà, mange. Et après, tu iras prendre ta douche. Hop. Et après, à l'école. C'est bien, en plus, t'as envie de discuter. Moi, je dis... Oh, putain, faut réparer encore les toilettes. On fait que ça, quoi. Allez. On a bien fait de se lever à 4 h 30 du matin, hein, parce que... Et salut à Alexia Games, qui vient d'arriver par ici. Bienvenue sur la chaîne. On est... Ah bah, elle est partie où? Elle est partie à l'école.
C'est pas grave, on va se détendre. Et on va attendre tranquillement qu'il nous appelle, parce qu'il va nous appeler, je le sens. Je sens qu'il va nous appeler. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Allez, le courrier. Ah bah tiens, il faut payer les factures. Bah ça va, en a assez, dis donc. Ça change du temps où on n'avait ni électricité ni eau. Le dernier contrôle de mathématiques de Lola était loin d'être son meilleur. Elle a obtenu une note médiocre qui pourrait vraiment faire baisser sa moyenne. Doit-elle demander à faire du travail supplémentaire pour améliorer sa note ou juste tenter d'avoir une note parfaite la prochaine fois? Vas-y, travaille plus. Moi, Clément, on s'en fiche. Alors, après avoir étudié et s'être entraîné le plus possible, Lola améliore largement sa note lors du contrôle d'aujourd'hui. Sa récompense est directement proportionnelle à ses efforts. Magnifique. Putain, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il m'appelait. Allez, 9h30. Il va appeler, il va appeler. Je le sens. Allez, on va dire qu'à 10h, 10h30, il appelle. Hein ? Allez. Il m'a appelé tout le week-end pour des conneries. Il peut appeler quand même là, non ? Allez. Il est 10h30, il faut appeler. Et il appelle, appelle, appelle. Il appelle pas. Pourquoi il appelle pas? Il appelle pas. Et, je peux... Et si je clique sur... Je me prends peut-être mal, hein, ceci dit. Non, je peux pas cliquer sur lui. Je peux rien proposer, moi. Moi, je comprends pas. Je sais pas. Quand j'étais en primaire, il appelait tous les jours. Et là, il appelle plus du tout. Je sais pas. Sinon, on va finir par sécher sans lui, hein, à force. Hein, mais c'est pas trop dans les règles, en fait. Bah non, il appellera plus. Là, c'est mort. Hein. Il est midi. On va pas sécher à 15h non plus. Hein, c'est l'heure de la fin des cours. Hein. Je sais pas, je vais le faire venir. Il y a peut-être une option dans ma liste ou je sais pas. Je sais pas. Je vais le faire venir, on va voir. Putain, j'avais de l'espoir, hein. J'y croyais qu'il allait appeler. Hein. Mais il appelle pas. Il veut pas faire l'école buissonnière avec moi. Bon, alors avec le frère, c'est toujours ennemi juré. On a peut-être pas dû se battre, en fait. C'est pas grave. Allez, prendre une douche. Et après, on appellera Sansa s'enfuit. Bah, c'est que la troisième fois depuis le début. On n'est plus à ça près. Fais venir là, Germain. Et puis appel pour retrouver. Voilà. Trois fois qu'elle se sauve, elle est propre, elle a à bouffer, on joue avec elle. Moi j'ai qu'une peur, c'est qu'elle revienne avec douche chaude dans le ventre. Mais bon, on verra bien. On n'y est pas encore. Cela devrait être une grenade aussi. Il est où? Il vient ou pas, lui? Allez. J'ai vu qu'il y avait des fruits, là, qui brillaient. C'est quoi? Ah, c'est des citrons. Oh, bah, je sais où on est, tiens. J'ai l'impression que je suis sur le même terrain que... Oui, c'est ça. Que... Qu'un appôt... Que je ne citerai pas... Ah, il y a des cerises. Bah, on peut pas, pourquoi on peut pas les ramasser? Ah, c'est parce que je suis trop tendue. Ok. Ok. Bon, bah, il va te détendre, Alexandre. Alors, malice. Mentir sur la carrière. Faire un idiot. Farce. Prévoir d'enfermer les sportifs initiés. Faire venir un lama, prévoir de tout... non, bah non. Bah non, il n'y a pas.
Y a pas. Non, on va pas se fâcher avec lui, on en a pas besoin. Excusez-moi, j'ai ma voix qui est en train de se barrer toute seule. Sans moi. Non, bah, y a pas, hein. Non, mais on va se détendre, écoute. Je sais pas. On est super potes, on peut pas être plus potes que ça, mon gars. Ouais, la vie est injuste, hein, je te le fais pas dire. Hein. Je te le fais pas dire qu'elle est injuste, la vie. Allez, on va regarder un film. Voilà, révision avec Alexandre. Allez, hop. Bon, bah ça m'arrange pas tout ça, parce que j'ai pas l'option, quoi. Allez, va regarder la télé, comme ça tu iras ramasser des citrons et des cerises. Ouais, t'es blasé. Pourquoi t'es blasé? Ah oui, en plus il te fait chier. Ah bah, avec ça, on est bien. Bon. Il va falloir que tu payes les factures aussi. Allez, va payer les farines de parler à ton père, on s'en fiche. Et va ramasser les cerises. Et les citrons. Et ça, c'est quoi? Cerisier, citronnier, citron, cerisier. Bon, on n'a pas besoin d'en prendre 15 de chaque. Hein. Voilà, magnifique. Et tu reviens me les planter. S'il te plaît, allez ici. Qu'est-ce que t'as dans tes poches? Oh, vas-y, j'ai la flemme d'acheter des pots. Alors on va les planter comme ça. Planter. Elle est où la cerise? Je la vois même plus. Elle est là. Planter. Bon, ben. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. On va encore se laisser un jour ou deux. Peut-être qu'il faut que l'option apparaisse au bout d'un moment. Mais ça me paraît un peu compromis cette histoire. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Mais on va s'en sortir. Je le sens, on va s'en sortir. Sinon, bah, je vous dis, je vais le faire bécoter. Je vais le quitter. Puis je vais sécher l'école toute seule. Comme ça, au moins, pas d'emmerde. Ouais, c'est ça, tu dois y aller. Bah vas-y, va-t'en. Hop, non, c'est trop tôt. Voilà, magnifique. On peut déjà récolter. Bah non. Ça y est, t'as tout arrosé. Et bah écoute, c'est l'heure d'aller manger, d'aller au lit. Et de croiser les doigts pour que demain, enfin, tu puisses sécher l'école avec... avec l'eau de boulet, là. Qu'est-ce qui est cassé encore? Oh, ils sont chiants, ils ont encore cassé un truc, putain. Il y en a, c'est les fantômes qui cassent tout. Moi, non, ils attendent pas d'être morts pour tout casser. Bon, bah, allez, va dormir. Et puis bon, de toute façon, on va peut-être pas tarder d'arrêter le live non plus. Hein. Je suis désespérée avec cette histoire de sécher l'école. Je sais vraiment pas comment faire. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Je suis censée sécher l'école avec lui, donc je sais comment faire pour sécher l'école, mais je ne sais pas comment faire pour sécher l'école avec quelqu'un. Je sais que quand elle était enfant, il lui proposait régulièrement de sécher l'école, mais là, il ne lui propose plus, donc je ne sais pas. Il s'est assagi avec l'âge, ou alors comme je lui ai dit non plusieurs fois, bah du coup, il tente plus sa chance, je ne sais pas. On verra bien. Mais ça va m'énerver. Ouais, ça va bien m'énerver. Bon. Alors, non, je veux pas que tu écrives. Par contre, faut peut-être discuter. Non, mais essayer de se faire d'autres amis, hein. Il y en a bien qui va venir de sécher quand même. Allez.
Tu pouvais aller dormir, mon gars, ça arrangerait tout le monde. Hein. Non, bah laisse tomber, ta mère est debout de toute façon. Ça sert à rien. Allez, va discuter avec quelqu'un avec qui tu discutes. Hein. Avec des vieux, c'est bien, pratique. Ça sert à rien, mais c'est cool. Plus de choix, discuter avec. Enfin, le choix est limité, quoi. Tiens, discute avec Alexandre. Dis-lui, dis demain, ça te dirait pas, on sèche l'école. Enfin, demain. Maintenant, quoi. Faut que tu joues un petit peu aussi, parce que t'es un peu tendu. T'es un petit peu tendu. Moi aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Pourquoi tu te dis que c'est sale? C'est pas sale ici. Bon, les murs sont pas peints. C'est original, ça. Oh, bah, elle s'est lancée dans la cuisine gastronomique, la mère. C'est pour ça aussi. Bon, allez, à l'école. Oh, t'es en retard pour l'école? Le téléphone sonne, mais c'est pas... C'est pas Alexandre, visiblement. Oh, ils ont cassé la musique. Mais comment ils font pour casser la musique alors qu'ils s'en servent pas? Je comprends pas. Je comprends pas. Il se passe des choses extrêmement bizarres dans ce jeu. Bon, je diminue même pas la vitesse parce que j'ai perdu tout espoir de qu'il appelle. D'ailleurs, bah, il a pas appelé, donc... Tant pis, on va sécher l'école sans lui parce que voilà. Tiens, fais-toi d'autres amis, peut-être que les autres, ils voudront bien sécher l'école avec toi. Mais en tout cas, Alexandre, lui, il veut pas, hein, c'est... Voilà. Moi, est-ce que tu te fais des amis? Bah non, tu te fais pas d'amis. Ouais, t'es tendu. Oh mon dieu, vitesse rapide, il n'y a plus personne. Ah tiens, le chien est revenu. C'est bien, c'est plaisir. D'habitude, des panneaux solaires, on s'en fiche, c'est le père, voilà. Pff, non, t'invites pas Alexandre, non, il nous sert à rien. Il est énervant, il t'appelle pas pour sécher l'école. Allez, va dormir. C'est bon, j'en ai marre d'Alexandre Gothique. Il me fatigue. Ouais, j'ai B de moyenne, oui, et bah c'est comme ça. Bon, il nous faut d'autres amis qu'Alexandre. On va essayer avec d'autres signes. Peut-être que c'est lui qui bug et pas moi. Hein. Allez savoir. Oh bah alors elle me désespère. Je vous dis, elle prend 10 kilos par jour. Je sais pas, moi je croyais qu'elle bossait dans les bureaux. Je crois qu'elle bosse au McDo en fait. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Allez, on va sauvegarder, ça fait longtemps, on sait jamais. Je comprends rien. Allez, hop. Bon, de toute façon, je crois qu'on va... On va profiter que Lola dort pour arrêter le live ici. Parce que... Voilà, je suis dépitée de cette histoire d'école buissonnière qui ne marche pas. Donc, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si jamais voilà, ce que vous avez vu, ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à me suivre... sur ma chaîne Twitch pour être prévenu bah, des prochaines diffusions hein, donc dans les prochains jours, je sais pas exactement là quand est-ce que je vais rediffuser, très certainement
très certainement vendredi soir, ou je ferai peut-être un live en journée, mais voilà, si vous voulez, si ça vous a plu et que vous voulez, voilà, être prévenu des prochains, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous fais plein de gros bisous, merci à tous d'être venus, et merci à ceux qui ont participé, merci aussi à ceux qui ont juste regardé. Je m'éclate toujours autant à faire ces lives avec vous, et j'espère vous retrouver aussi nombreux la prochaine fois. Je vous fais plein de bisous et puis à très vite.